Bonjour à tous, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gimikim et on se retrouve aujourd'hui les gens pour la suite de série. Enfin de la série préférée team, mais bon aussi avant bien évidemment, parce que moi aussi je veux une super carte. C'est la série du moment au Japon, c'est Eevee Heroes, l'extension où il n'y a que des Evoli à part en gold. Et, en nous, tout cas. Et après on va retourner dans le temps. Pourquoi? Parce que en France arrive Règne de Glace, qu'on ouvre depuis quelques mois au Japon. Exactement. Enfin, au Japon, on n'est pas au Japon, mais en japonais. Oui. Et même si on aimerait bien être prochaine. Au Japon, bien évidemment. Bah ouais, voilà. On dirait pas non. Hein. Le jour où ça rouvre, vous inquiétez pas, nous on aura tout prévu. Le passeport, le vaccin, s'il faut faire un troisième vaccin, un quatrième, c'est pas grave. Dixième, on l'aura fait, du moment qu'on peut aller au Japon, mais bon, en c'est tout pas cas, j'espère que ça vous a plu. Mais ça vous plaît, faut pas ouais. hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, s'abonner à la chaîne, parce que du Pokémon, il y en aura toujours. Il y a aussi des jeux qui arrivent, il y a des trucs qui arrivent, qui continuent, bah, Metopia, Fortnite. De toute manière, le meilleur moyen. Bah c'est de s'abonner et mettre la cloche. De rien louper. Allez, c'est moi qui commence. Parce que t'as commencé les deux fois précédentes. Hein? Alors. Je crois. On espère avoir la chance aujourd'hui. Oui. Parce que. Alors, est-ce qu'on mélange? Est-ce qu'on mélange pas? Non, je pense pas. On prend comme ça. Ok. Si on a une carte. Alternative. J'espère qu'on va avoir un truc bien. J'espère vraiment. Qu'on va avoir un truc bien, ouais. On veut pas en demander trop, les gens, mais quand même. Hein, ouais. On n'a pas acheté des boîtes juste pour avoir des foulards pour Rav. Exactement. Non, franchement, Noctali, la dernière fois, c'était une très bonne carte. Noctali, c'est une très bonne carte. Mais si aujourd'hui, par exemple, on a Philalie en foulard, déjà, c'est un peu moins intéressant, même si on l'a pas. Au moins une nouvelle carte. Au moins une nouvelle carte. Ouais. Et au mieux, une bête de nouvelle carte. Ah, ce serait trop bien. Même franchement, une arc-en-ciel, les VMAX, elles sont pas très cotées, mais on aimerait bien en pack une, ce serait joli. Alors, Forbelin, donc c'est parti. Tarambule, Volcaropod, et on commence avec Pikachu. Ah, et une V et Nymphalie. On commence par une très très belle carte qui fait partie de mes Pokémon préférés d'évolution, c'est Nymphalie. D'évolution préférée. Le Pokémon le plus récent d'ailleurs qui est arrivé. Moi, mon évolution préférée d'Evoli, c'est... Mais tu l'as dit, c'était... Non, dans les vieilles, dans le trio, dans le trio de base, je dirais Voltali. Parce que moi, pour le nostalgique avec Jungle. Ouais, bah oui. Mais sinon, je dirais, en comprenant toutes les nouvelles, je dirais que c'est Mentali. Mentali, je trouve. Ouais, elle est pas mal. Mentali, Noctali, cool. Vraiment, c'est pas mal. Alors, Kangourex, Voltorb, la Sudibus, Tarambule, Marill, et Omasa. T'as eu peur, hein? Vas-y, à toi. Bah, un petit peu, hein, c'est toujours un petit peu stressant parce que on a envie d'avoir une bonne carte. Après, on peut toujours en avoir deux, mais c'est vraiment trop minime. Pour espérer et avoir l'espoir d'ouvrir. Franchement, c'est la série du moment. Et en vrai, on a la chance de pouvoir en ouvrir. On sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui peuvent en ouvrir parce que. Pas forcément au niveau du prix, parce qu'en français, ça coûte. Non, franchement. Quand tu vois le prix des displays françaises aujourd'hui, oui, qu'il y a des gens qui ouvrent, vrai, je dis franchement, foncez acheter 3 displays Evoli au lieu d'une display française. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être quelque chose. Oh non. Ouh, c'est jaune. Let's go. Et parce que je pense que c'est plutôt par rapport à l'import qui est compliqué, surtout si vous êtes moins pressé, on va dire, que nous. Parce qu'en fait, nous, on est un peu pressé de recevoir parce qu'en fait, c'est pour faire des vidéos, pour partager ça, pour changer de règne de glace. Non, mais nous, on est à fond sur les nouveautés Pokémon. Gens, et c'est vrai que quand tu vois des Japonais, des Américains qui en ouvrent, t'as envie d'en ouvrir assez vite. Et puis surtout que je pense que, intelligemment, les gens vous conseillent de prendre les frais de port les moins chers et de pas forcément envoyer en express, c'est là où vous allez avoir le plus de taxes. Oui, c'est ça. Nous, quand on peut, on envoie en non taxé. Oui. Sauf qu'en fait, quand tu commandes une certaine quantité, ils envoient forcément. Oh, oui, on n'avait pas le choix sur celle-ci. Et. Chaz. Oui, génial. Normalement, aujourd'hui, c'est Kim qui pack. Normalement, j'espère. Parce qu'elle a de la chance aujourd'hui. Oui. Un peu. Oui. Un petit peu, quoi. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Alors. Chacun son tour, la chance. Gourde. Si ça brille. Barpo. Et que je vois des étincelles de Barpo. Tournicoton. Et Florges. Moi, ça me stresse moins parce que honnêtement, les prix ont baissé, donc déjà c'est plus abordable certaines cartes. Oui. Notamment les VMAX qui sont tombées dans les centaines d'euros certaines. Oui. Donc, c'est déjà plus intéressant. Alternative, les gros VMAX. Floette. Normalement, la plus chère, c'est Noctali en VMAX, arc-en-ciel, elle est juste monstrueuse. Déjà, elle est magnifique. Couverne. Et en termes de prix, on a regardé un petit peu, ça se négocie au Japon à plus de 300 euros. Ouais, c'est ça. Donc, la plus chère à 300 euros. Non, et puis on n'a pas trop envie d'acheter une carte à ce prix-là. Non, on a vraiment envie d'attaquer. La seule fois où on a acheté une carte à ce prix-là, ça s'est presque fait. C'était pas ce prix-là exactement, mais c'était Dracaufeu de Destiny Occulte à l'époque où Destiny Occulte, tout le monde s'en foutait. Voilà. Pas maintenant. Oui. On avait payé 250 euros après. Non, 190. 190. Ah oui, 190. Oui, donc voilà, c'était la carte la plus chère de notre... Ouais, après c'était Pikachu.
marche à deux. Et après, c'est Pikachu VMAX, ouais. Arc-en-ciel, que au final, je pense. On a bien fait, parce que franchement, déjà Voltage, c'est inexistant en magasin, et en plus de ça, le Pikachu est inexistant. On voit des gens qui ouvrent des Voltages en ce moment, tu dis, ah, mais ils ont racheté des revendeurs. Bah oui, parce que c'est impossible de trouver en magasin. C'est difficile, ouais. Bah ouais, voire impossible. Quasi impossible. Allez. Pas maintenant. Non, pas maintenant. Voilà. Dis pas maintenant. Allez maintenant. Oui, mais allez pas maintenant. C'est allez bon pas maintenant. Allez ouais. pas maintenant. Moi, je vais la VMAX de. Bah, je sais honnêtement, pas. Nous, ce qu'on trouve en magasin, en ce moment, les gens, bah c'est rien du tout. Ouais, voilà. Donc exactement. Voilà. On va pas chercher à dire qu'on a de la chance ou autre. C'est pour ça qu'on. Si, récemment, on a trouvé les Pokéballs. Ouais, mais pas tant que ça. Et en fait, c'est les. C'est pour ça qu'on se rabat sur le japonais. Oui, Pikachu. Parce qu'on aime bien ouvrir du Pokémon et on n'a pas envie de raquer à des revendeurs pour du français. Entei. Voilà. Oui, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Oh mince. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est la carte. Okay, okay. Fais gaffe, hein, quand tu le tiens, si tu peux abîmer la oui, carte. Oui, je sais. Milovelus, Floette, ouais. Motisma, Gobou et Tricolore, je sais bah, pas. Bah, en vrai, le seul truc qui me saoulerait, ça serait d'avoir un dresseur full art. Oui. Parce ouais. que je me dirais, oh, ouais, c'est bon quoi. Ouais, c'est bon, on a ouvert, du coup, c'est la. Quatrième boîte qui en ouvre, on en a ouvert que 3 pour l'instant, oui. Je dis que parce que honnêtement, les gens pour des japonais, normalement, on ouvrait toujours oui, une moyenne de quantité. Ouais. Et pas depuis 3 mois, depuis 7-8 ans. Oui, moi au tout début, parce que voilà, on était. Ouais, mais on a acheté pas mal de. Si, on avait acheté 3 boîtes de. XY. De étincelles japonaises ouais, avec étincelle. Le drac au feu noir dessus. De même. De évolution japonais, on a retrouvé nos boîtes vides, les gens ont fait, ah ouais, on avait acheté quand même. On avait 4 ou 5, je crois. À l'époque, tout le monde. Elles étaient pas vides, elles étaient remplies de cartes, mais pas les bonnes. Alors, j'ai un truc. C'est une VMAX. Eh ben, Givrali. Ouais, Givrali. Givrali. Qui est très jolie. Ouais. Yeah. Elle est très belle. Elle est très très belle. Bon, bah, mais j'ai l'impression de ne pas avoir eu d'Aquali. Il n'y a pas Aquali. Mais ni en V ni en VMAX. Non. Ah, je sais plus. Je vais regarder sur le bordel si tu veux. Mais non, mais attends, t'en as ouvert deux là. Non, mais j'ai une VMAX à toi. Ok. Des gens, on me harcèle au téléphone là. C'est vrai? Non, mais mes frères. Bah, mes frères, c'est pareil, hein. On les collectionnait Pokémon depuis belle lurette, et puis là, on constate le marché et on se dit. On s'envoie des messages en disant. Mais c'est l'arbre, pas l'arbre, possible, l'arbre. Les gens sont fous. Ouais, là, c'est pas possible. Bah, c'est assez chaud. Chaz... Ouais. Ah, c'est la dernière. Alors, le meilleur moyen de savoir les cartes, les gens, vous tapez le nom de l'extension en anglais-japonais, c'est-à-dire cette que liste, Eevee et Rose, ou cette liste ou card list. Ou card list, ouais. Voilà, et vous tombez sur un site qui s'appelait JP Collector, Poké voilà. Collector, et c'est super bien parce que du coup, t'as vraiment les photos et, oui. Et direct, tu sais ce qu'il y a dans l'extension. C'est ça. Et Milovelus. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah non, j'aime pas quand j'ouvre tout. Ah, si, il y a Aquali. Ben oui, il y a Aquali en. Aquali. Aquali en normal, et mais pas en full art. Mais pas en VMAX, mais par contre, elle est en full art. D'accord. Full art. Donc on a toujours pas eu la V d'Aquali. Et full art, ça s'écrit F-U. Deux L. Oui. Et pas F-O-U-L-E. Voilà. On a reçu ça par mail. Le petit oui, full, c'est-à-dire plein en anglais. Faux. Parce qu'en fait, la carte, ouais, elle est notre accent en fait. Pas, est un peu dégueulasse, je l'admets. Mais... Full art. Allez, pack-nous, mais un truc bien. Oui, on veut packer un truc bien. Du coup, c'est notre dernière boîte, ça? Non. Ah non. Ah oui, tu comptais. Oui, ok, d'accord. Donc bah, aujourd'hui, on veut, normalement, on va recevoir un ou deux. On va et recevoir... prochaine vidéo, un ou deux. Voilà, peut-être. Bah en fait, aujourd'hui, on a une carte pourrie, on n'ouvre qu'une. Non, deux. Deux. Et si on a une carte de malade, on n'ouvre que celle-ci. Voilà. Et on ira ouvrir autre chose après. Voilà. Je crois que t'as un truc. Ah bon. C'est une V, Max. Givrali. Oh, non, la best. La meilleure. La best one. Pourquoi tu bagues toujours un truc, toi? Ouais, je vais arrêter d'ouvrir. Hein. Vas-y, à toi. Mais je t'ai dit de venir, tu veux pas. Mais non, mais quand même, tu me dis, mais si, vas-y, vas-y. Et puis au final, c'est moi qui l'ai. Voilà, tu bah vois. Ouais, mais. Ouais, calcule tout dans la tête, les gens. Je suis. Vous savez, au casino, je compte les cartes. Ouais, exactement. Bien évidemment. Je crois que j'aurais pas la patience de faire ça. Mais du coup, je compte les boosters, je sais quand ça va sortir. Et du coup, je dis à Kim, mais non, vas-y, ouvre. Et puis dès que je sais, hop, c'est moi qui ouvre. Et ah, j'ai la VMAX, trop bien joué et tout. Et là, ça fait stresser un petit peu quand même. Bah, tu vois. On se dit quand est-ce que ça va sortir. Et puis toujours un peu, voilà, si c'est Romaldi, bon. Tarambule. Non, on va avoir marre, mais. Oui, ouais, un petit peu, ouais. T'as eu peur? En Goliath, j'ai toujours peur quand je vois pas la différence entre l'holographie. C'est vrai que tu packes quelque chose, non? Mais j'ai packé une V. Mais c'est vrai. Donc Aquali, tu l'as pas eu en fait? Ben non. T'es sûr? Ben non, je crois pas. Ça c'est quoi? C'est Ça c'est Silveroy. Ah si, il y a Fourbelin, Grimalin, Couverdure, Bacabou. Oh, oh,
Si c'est une alternative, je peux attends, pas attends, attends, attends. Si ça peut être une arc-en-ciel. Attends, les gens. C'est une Pokémon. C'est soit une arc-en-ciel, soit une alternative. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas une alternative, mais c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh, j'ai eu peur. J'ai trop peur, j'ai cru que c'était une alternative. Oh, mais c'est dans ma vie, c'était le cas. Oh, ça m'a stressé. Bon, c'est pas mal. Ah, c'est trop bien. C'est ah, pas mal. Je suis trop contente. Ah, une alternative. C'est la carte que je voulais. Il a fallu arc-en-ciel. Oh là là, c'est trop bien. Ouais, je sais, ça aurait été une alternative, mais ah, c'est oui, c'est en fait, quand même on le voit best. Au niveau de la brillance, ça se voit direct que c'est une VMAX oui. Arc-en-ciel ou alternative. J'ai packé une carte bien. Tu vois, c'est toi qui devais packer l'ordi. C'est crochet dedans. Donc, prochaine vidéo, on pack l'alternative. Bah, prochaine vidéo, on ouvrira les deux dernières. Parce que ouais, voilà, c'est ça. Oh, trop bien. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Parce ah, que ouais, c'est bah, une oui. des belles. Et puis, c'est Nymphalie. Hein. Mais c'est Nymphalie. Nymphalie, c'est celle que je voulais. Donc, il y a pas mal d'effets derrière. Ah, en elle fait, est magnifique. Comme on voit que ça, en fait, ça peut être. Ça peut vraiment être bah, un petit peu comme le Silveroy, ça peut être une alternative. Oh, ouais, j'ai stressé. Mais déjà, c'était pas un dresseur. Je voulais tellement voir une alternative que. Il en reste. Que je suis presque un peu déçu, mais en même temps, bah, c'est oui. très cool. Ah, c'est une cool. arc-en-ciel en japonais, déjà pour nous, c'est rare. Oui, c'est pas souvent. Parce que les dernières qu'on ait paquées, bah, c'est Boreas, mais et avant, c'est que des dresseurs. C'est Nymphalie. Après, on va pas se mentir en termes de cotation, c'est ah, pas. Ah non, elle est pas ouf. Hein. Bah vas-y, on finit. Ah, c'est trop bien, j'ai trop contente. Est-ce qu'on va avoir une deuxième carte? Parce que la seule boîte qu'on a eu deux, c'était une arc-en-ciel. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça se trouve, quand tu as une arc-en-ciel, Pokémon, t'en as peut-être deux. Ah, je trouve que je suis contente. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, je suis contente. Contente, ça va. Ouais, ouais. Au moins, c'est très cool. Eh ben, hop. Élevé. Ouais, qu'à chaque fois que je joue. Oui, j'avoue, à chaque fois que tu fais un truc, t'as un truc. Mais c'est très très bien. Ah, je suis contente parce bah, que Nymphalie, c'est la ouais. carte que je voulais en arc-en-ciel. Bah, il faut se dire que voilà, en français, elle va coûter bien 100 balles. Oui. Donc au final, oui. On préfère la pack en japonais. Je pense que vu qu'il y en a beaucoup, elle sera peut-être vers les 50 plus. Oui, oui, mais bah après ça dépend ce qu'il y a à côté. Hein. C'est Nymphalie, hein. Les gens ils sont. Enfin, les collectionneurs et collectionneuses de Nymphalie sont un peu dingues. Oui, oui. Enfin, de Evoli, on va dire. Bah ouais, même moi, hein, regarde le prix de la Evoli de Destiny Occulte. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, oh, c'est trop bien! C'est bien, c'est bien. Ah, oh, une arc-en-ciel! J'ai tellement stressé en me disant que je voyais Chaz 1000 fois. Non, moi je voyais 10 000 fois une alternative. Et j'ai... Ouais, non, moi j'ai. En fait, surtout que là c'était une alternative de dingue. Oui, peu importe là, laquelle, coup, mais ouais. bon, après, c'est attends, déjà énorme. C'est déjà énorme. Bah, je continue ou tu veux Vas-y, continue un petit peu si tu veux. Bah, on ouvre tout parce que déjà on sait jamais. Oui, et on puis, sait jamais. Ouais. Il peut y avoir une troisième VMAX. Oui. Ça arrive plus souvent. Ouais. Et si on peut avoir ma Nymphalie encore en VMAX, c'est moi propre. Ça me va. Ah, je suis contente. C'est le Pokémon que je voulais. C'est propre, c'est propre. Et puis c'est le mieux. Ce jeu, bah, c'est le mieux, on ouais. On va vérifier, mais. Et une V pour Guigui, Filali. Vas-y, attends. Parce que Filali c'était flou, désolé, mais l'émotion là, elle m'a. Non, mais Filali arc-en-ciel, oui, je serais contente, mais c'est pas non plus le Pokémon je que je voulais. Tellement inintéressible. Mais oui, mais Guillaume, il se met la hype direct. Moi, je voyais rien. Personne qui a paqué une alternative, les gens. De VMAX. De tout ce qu'on regarde en américain. On va y arriver. Alors, tu aurais pu avoir Noctali, Givrali, Filali et Nymphalie. Donc ouais, c'est la mieux. Et tu aurais pu avoir une alternative de malade. Il aurait pu avoir une alternative, mais bon, vu le prix, je pense que c'est très difficile à paquer. Ouais, mais on a mais on peut y arriver, hein. Il nous reste deux boîtes, on en oh, fera d'autres. Oh là là, si on le fait ça, je pète un câble, moi. Ouais, ouais, moi aussi. Parce que déjà, une arc-en-ciel, c'est bien. Bah, on va vous donner le prix, parce que ça vous permet de savoir. Alors, comment on fait? On va sur Internet, on utilise nos doigts. Voilà. Mais non, mais. Mais en fait, le problème, c'est qu'on nous pose toujours les mêmes questions, les gens. Et en vrai, en fait, c'est pas compliqué. Je pense que vous prenez n'importe quel site de revente. Alors, pas Vinted, parce qu'il n'y a pas les ventes réussies. Bah non, il y a que eBay où tu vois les ventes réussies. Je crois que j'ai un truc, mais pas une. Je crois que c'est une VMAX. Non. Ah non, c'est une V. Ah bah. Mais Givrali. Oui. Mais et Aquali, il existe ouais, pas. Ouais, Aquali, c'est toujours pas eu, je crois. Sylveon. Et donc oui, vous allez sur eBay, vous tapez le nom de la carte, le numéro, vous faites dans filtrer, vous faites déjà dans les descriptions, vous cherchez la location, la localisation, donc monde entier. Oui. Parce bah, qu'en c'est, fait, ça dépend si vous voulez du français. Et sachant que franchement, vous avez peu de chance d'avoir une douane sur une carte hein, qui envoie. Il faut faire attention parce qu'avec la loi. Ouais, il y a un truc qui change, c'est super compliqué. Et en fait, vous mettez votre réussite. Et donc là, au Japon, cette carte vaut quand même une cinquantaine d'euros. Ah ouais, donc c'est très bien. C'est la meilleure carte qu'on ait eu alors. C'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte. Et Nymphalie vaut encore plus cher. Nymphalie, c'est la rang 2. Alors, et ben, on a eu bah, rien à la fin, à part une petite V. Mais par contre, on a eu quand même du lourd. Parce qu'on a eu une arc-en-ciel. Alors, Nymphalie V, Givrali V, Mantalie V,
file à l'IV. Ça va être tellement plaisir de dénoncer des ouais, évolutions bah à la oui. suite. Toutes les cartes sont bien en fait. Givrali VMAX. Donc pour l'instant, Noctali, on n'a pas eu de VMAX. De troisième VMAX. Non. Tu tombes un peu. Et. Ah ouais, ouais. Non, c'est, bien, c'est quand même bien, mais je voyais tellement ouais, bah, à 10 oui, années-lumière, à 10 km les gens là, que j'ai pété un câble intérieurement, je crois. Ouais. Tout seul dans son trip, Guillaume. Mais non, mais si, c'était. Pour moi, c'était mal. Bah non, moi, déjà, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. On en a pas vu beaucoup. On aura tes chats là-dedans. En tirage, bah là, pareil, hein, je pense qu'on va en ouvrir une. Si c'est pas terrible, on ouvre deux. Et ouais. Si jamais c'est incroyable encore. Alors, on finit par quoi? Reine de glace, je pense. Allez, vas-y. C'est la petite routine. C'est moi qui pioche. C'est la petite routine, vous connaissez. Vas-y. Il reste pas beaucoup. Non, il en reste pas beaucoup. Mais bon, prochaine vidéo, bah ça dépend. Ouais, ça dépend toujours. Bah ouais, ça dépend. Contre, bah non, mais les gens, le nerf de guerre. Vous avez vu le prix d'une boîte de billets rouges? Bah oui, on peut pas se permettre d'ouvrir. On peut pas faire comme Reine de glace. Voilà, Reine de glace, on les a eu à 40€ la boîte. Celle-ci à 100, donc voilà, on peut pas faire la même chose. Là, actuellement, vous pouvez trouver facilement des boîtes à 50-55€ de règne de glace. Après, il ouais. faut compter des frais de port et des taxes. Oui, t'as peut-être besoin d'aide. Hop. À la punaise, les gens. Ah, c'est trop bien. C'est bien. C'est ah, c'est très, bien. Très bien. C'est la. C'est la Asia, la. Ouais, il y a tellement d'alternatives stylées que. Bah non, mais c'est j'ai, elle fait partie des très très bien. J'ai tellement vu une alternative que ça m'a. Presque, je suis ultra content d'avoir des cartes, mais en même temps je suis dégoûté. Bah non, moi je suis trop content. Parce qu'on voit tellement peu de cartes comme ouais. ça qu'en fait tu oui. dis c'est maintenant. Oui, et bah en oui. fait, bah non. Mais c'est très bien. Non, hein, non, c'est, bien, énorme, hein. c'est énorme. Moi je suis contente en tout cas. C'est transgénique, bon. Alors c'est ma collection. Si aujourd'hui on a Melony, ah ouais, non. Parce qu'elle est très bien, mais non. Non, Aroma Lady et Melony, pas pour aujourd'hui. Ah punaise les gens, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Il fallait bien qu'on paque un truc bien au bout ah d'un bah an, oui, mais... bah oui. Bah après, franchement, les tout deux ce qu'on dernières... a paqué... non. Bah non, mais tout. Franchement, tout, c'est bien. La Roma Lady, voilà, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant, mais franchement, comparé au prix des cartes Full Art, on a eu la meilleure avec Noctali. Et bien. On a eu la meilleure avec le dresseur. Enfin, je franchement, maudit. Vraiment, on est... Je suis maudit, les gens. On a de la chance, hein. Allez, alors là, si on paque la carte Gold et Énergie... T'as bah, vu, t'as dit, c'est moi qui ai de la chance, aujourd'hui. Je l'ai dit. Je dis que toi qui l'as pas créé. J'ai tellement vu, t'imagines même pas. Mon délire que je me suis fait dans bah oui, je te connais, hein, je sais comment tu es. Guillaume, il s'est fait un film. Je me suis dit, c'est maintenant. Tout c'est seul. Là, c'est là. Et là, franchement, j'ai vu toutes les cartes. J'ai dit, Fidali, Noctali. Et du coup, après, il tombe en dépression. Ouais, après, je suis dégueu. Non, c'est énorme. Franchement, comme je vous ai dit, on a vu pas mal d'ouvertures. Il y a personne qui a packé une arc-en-ciel. Oui, c'est vrai. Tout le monde c'est a packé des alternatives full art. Et tout le monde. C'est vrai, oui. Je comprends pas pourquoi on en a pas eu. Bah, c'est pour ça qu'elle coûte pas si cher que ça. Hein. Non, elle coûte pas très cher. Ouais. Bah, c'est pour ça que moins par cher exemple, que celle-ci. Par exemple, Calyrex. Non, Galopard alternative qu'on a eu. Oh, j'ai eu peur. T'as cru que c'était melon encore? Ouais, melon, ouais. Galopard alternative, elle coûte pas si cher que ça. Non. Hein. Donc les alternatives. Donc les arc-en-ciel tombent moins. Ouais, mais voilà. Elles sont plus sympas, les alternatives, c'est ça le problème. Oui, c'est-à-dire oui. qu'elles sont plus prisées. Bah des spéciales. Mais je pense que voilà, on va ouvrir encore les deux boîtes. On verra. Ouais. On verra ce qu'on fera si on arrive à en voir d'autres. Et. Et je sais plus ce que je veux dire. Et voilà, et Guillaume il est subjugué par le fait d'avoir une arc-en-ciel. Non, c'est très bien. Parce que franchement, sur tout Règne de Glace, on en a eu qu'une. Alors franchement. Et là, on n'a pas eu la plus dégueu. Hein. On a eu pas celle que je voulais, donc moi je suis très contente. Après, Nymphalée en arc-en-ciel existe déjà. Dans oui, Gardien Ascendant. Oui, mais c'est pas la même. Mais là, elle est belle. Mais elle est belle. En VMAX, et en plus, c'est les nouvelles arc-en-ciel. J'ai un truc d'Unaconda. Moi je dis c'est Kim qui a paqué parce que là d'accord. Ouais, je sais pas, j'ai la main chanceuse. Eh ben, on va ouvrir les autres boîtes après. Ouais, juste après, comme t'as ça. T'as intérêt à avoir de la chance. Et continue sur cette lancée et me faire rêver, s'il te plaît. Croquine. Bah, en vrai, oui, ça, c'est juste pour le tirage. Parce qu'en vrai, voilà, la carte, par exemple, la Philali alternative, elle coûte une centaine d'euros. Donc c'est pris d'une boîte presque. Oui. Donc en vrai, c'est pas non plus. Voilà, mais c'est le principe de la paquer, bah, c'est oui. ça que t'as envie d'avoir. Et puis la carte, elle est magnifique. En fait, t'as envie de la paquer. En fait, il faut comprendre que acheter une carte et voilà. paquer une on carte. On a pas mal de gens qui parlaient justement d'ouverture de certains youtubeurs qui s'acharnaient et essayaient d'avoir Dracofeu au lieu de l'acheter. Mais vous rendez pas compte oui, de l'émotion quand tu la paques. Les c'est... gens, si c'est on incroyable. Achetait les cartes directement, bien sûr qu'on économiserait de l'argent. Le là, problème, bah, c'est moi, que la Pikachu, t'as pas le plaisir. Non, Pikachu VMAX, j'ai acheté. Je suis bah oui, contente. Bah, ouais, mais honnêtement, j'aimerais tu toujours. Tu l'as mis dans ton classeur. Non, mais j'aimerais toujours trouver du voltage pour la paquer. Bah oui. Parce que t'as pas eu le plaisir et la satisfaction de la paquer. Voilà, exactement. C'est, en fait, c'est. Alors, oui, voilà, c'est pas forcément très important. Vous allez dire, ouais, les cartes, voilà, chacun son délire, il y en a qui comprennent pas justement, forcément. Justement, chacun son délire. Mais en fait, c'est une petite émotion intense,
sur le coup, voilà, oui. Après tu passes, tu t'en fous, mais c'est marrant, tu vois, c'est, oui. Bah, c'est presque... Bah non, mais il y en a qui font, je sais pas, des sauts en parachute pour donner de l'adrénaline, bah nous c'est des ouvertures de cartes en fait. Voilà. Et c'est de l'adrénaline, c'est à chaque carte tu vas dire « Oh, qu'est-ce que j'ai ?» Et alors soit t'es pas content, soit t'es très content, mais t'as l'adrénaline en fait, t'as un truc. Calyrex, Dunaconda, Boreas. Ouais, ça sert beaucoup plus. Et voilà, faut comprendre, faut aussi se mettre à la place de tout le monde. Parce qu'il faut être compréhensif, c'est surtout ouais. Ça le problème. Et nous, on a ouvert des centaines et des centaines de boosters de Destiny Occulte pour avoir Dracaufeu, mais l'émotion qu'on a eue quand on a eu Dracaufeu, c'était juste dingue. On était des fous. On était des malades, alors qu'on l'a acheté. Alors qu'on l'a acheté. J'annonce Montagnard Arc-en-Ciel et j'arrête YouTube. Parce que là. Oh, t'as un truc, c'est une V, ça se voit. Ouais, galop pas. S'il te plaît, franchement, la prochaine vidéo, je préfère en ouvrir qu'une seule que deux parce que ça laisse durer le plaisir. Oui. Et ça permet quand même d'ouvrir des cartes sympas. Ouais, sauf que dans la dernière, si on va avoir une pourrie. Bah, vous aurez. Oh non, ah, non c'est pas possible. Allez, c'est Mélanie. Non, c'est Mélanie. Non ? Si. Oh, on l'a jamais eu. Incroyable. J'en ai marre des dresseurs. Mais, mais dans les conditions du contrat, j'ai pas dit que j'arrêtais YouTube sur un des 7 cartes. Oui, t'as dit Montagnard Arc-en-Ciel. C'est pas mal. On l'a jamais eu. On l'a jamais eu, c'est très cool. Très bien. C'est voilà. Cool. Pour la collection, c'est pas mal. Voilà. Voilà une des cartes que vous pourrez passer paquet dans Règne des Glaces. À 200 euros la différence. Voilà, fait, la content. Semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, c'est un peu ça de l'air. Ouais, on a chaud. Oui, très. Bah non, mais c'est Nymphalie qui nous a énervé. Ah ouais, moi aussi, ça m'a énervé. En fait, on a la pression, les gens, on peut pas acheter. En fait, c'est pas comme s'il y avait un magasin dans le coin et que, ah bah tiens, on va acheter des évolutions. Oui, voilà, c'est tout un processus. Faut exactement. Acheter, faut précommander, faut attendre les douanes, il y a les douanes qui passent. Et puis en fait, on n'a pas acheté assez. Et puis finalement, t'en as acheté que deux. Mais t'as eu de la chance de malade, donc c'est bon, tu peux plus en acheter. Enfin, tu vois. Et donc là, bah, y a plus qu'à croiser les doigts. Et bah très bien. Prochaine vidéo. Nouvelle non, carte. Très bien, ouais. Je sais plus comment carte. Elle s'appelle, mais elle est cool. Plus combattante que Mélanie. Que Mélanie, ouais. Mais elle est cool, j'aime bien. Ouais, bah de toute façon, c'était une des cartes. Bah, je crois qu'on a tous les dresseurs de Silverlands. Génial. Est-ce qu'on a tous les Pokémon Arc-en-Ciel ? Bah, on en a aucun. Ah, si, voilà. On en a un, Boreas. Boreas. Ouais, bon. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est très bien. The card of the opening. Voilà. The card of the opening. En plus, ça va avec Nymphalie. Elle est magnifique. On est sur une bonne lancée, on est sur une donc bonne lancée. Donc on espère garder cette petite forme. Exactement, donc pour faut mettre la un maximum future vidéo, de pouces bleus. Ça fait beaucoup d'héros les gens, mais le problème c'est que bah, après il n'y en aura plus. Voilà, donc voilà. C'est maintenant, on ou se jamais. Plaisir. On vous dit. Et dans deux jours, voilà, puisqu'on aura dans trois jours, il n'y aura plus jamais, ça se trouve, d'héros sur la chaîne. C'est possible, ou alors il y en aura encore un petit peu parce qu'on va recevoir, mais on ne sait pas encore. Mais moi, tout dépend du tirage qu'on va avoir. Si on a deux chaises la prochaine fois, j'ouvre pas les autres. Et on peut faire vidéo, double chaise, hein. Non mais on les ouvrira en mode tranquille quoi. Les quoi? Bah les autres, si là ah, c'est oui. Double chaise, je suis bon, non. Ah bah on vous fera une vidéo magnifique non. Si on a double chaise. En tout cas, faut faire péter la barre de pouces bleus, faut mettre un maximum de commentaires aussi. Une alternative pour la prochaine fois. Une alternative pour la prochaine fois. Pas des max, mais déjà une fois. Non mais on aurait été crescendo, franchement ça aurait été, ouais, ça serait exceptionnel. Ce serait pas mal. Et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Game Team. Allez salut.